Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un retour d'Emmaüs. J'y suis allée à deux reprises dans le même, donc je vais rassembler les deux en même temps. La luminosité est pourrie parce que je filme le soir, parce que je suis un peu en retard dans les vidéos et je voudrais tout ranger rapidement parce qu'il s'en vient peut-être des bonnes choses. Donc tout d'abord, au rayon jouet, j'ai trouvé un sachet de Lego Duplo pour 2,50€. Donc il y a plusieurs pièces. C'est pas comme si j'ai pas du tout de pièces de Lego Duplo. Mais ça, c'est pas très grave. Ensuite, j'ai trouvé encore un petit sachet de figurines en bois, donc il y a un chameau, ça je sais pas, une girafe, une vache, un chien, un hippopotame, voilà, donc c'est cool, pour 1,50€. Ensuite, j'ai trouvé cette petite voiture en bois qui fait du bruit. Donc ça, je sais pas combien je l'ai payé. Ensuite, j'ai trouvé la remorque Tonka rouge. J'ai la bleue. Il manque juste le plateau qu'il faudrait que je trouve. Ensuite, dans une des ressources, des nouvelles ressourceries que je vous ai présentées, j'avais trouvé à peu près le même style. Et donc j'en ai trouvé un autre, donc je l'ai pris. C'est Fisher Price. Ensuite, j'ai trouvé un petit Mickey comme ça. Sachant que chez son papa, je lui mets tous des jouets de Disney. Mickey, Minnie, Daisy, Donald, etc. etc. Ensuite, il y avait un bac 10 pour 1€. Donc, j'ai pas tout parce que j'ai pris des choses pour mes parents. Donc, j'ai d'abord pris ce Flunchy bleu. Mais à voir, je pense que je l'ai déjà. Mais au moins, je suis sûre. Une petite voiture Tonka. Je sais pas si je l'ai, mais si je l'ai pas, au moins, je l'ai. Et ce qui est en double, ça part chez mes parents. Une petite super nana, je sais plus c'est qui, si c'est Belle Bulle ou Rebelle. Un petit Flunchy comme ça, je sais pas si je l'ai, mais dans tous les cas, si je l'ai pas, tant mieux. Et j'aimerais faire tous les monsieur, madame, comme ça, en figurine. Donc pour l'instant, je commence pas parce que je sais que les enfants du barbu en ont quelques-uns, donc il faut que je regarde la liste que j'ai besoin pour les prendre, parce que je sais dans plusieurs endroits qu'il y en a. Ensuite, au rayon vaisselle, j'ai trouvé un couvercle tupperware d'une de mes boîtes. Comme ça, je vous avais expliqué la fois passée que j'avais acheté des boîtes sans couvercle. Vous voyez, je trouve les couvercles à part. Ensuite, j'ai trouvé ce lot de deux couverts et c'est justement des monsieur madame et c'est monsieur maladroit. Voilà, ça c'est pour la première fois où je suis allée. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est ce que j'ai trouvé aujourd'hui, parce que je suis allée aujourd'hui. Donc j'ai d'abord trouvé ma pépite du jour, franchement pépite, mais pépite de chez pépite de chez pépite. C'est, je vous avais déjà présenté, c'est la grosse voiture rouge Babar. Donc je l'ai trouvé en bleu, je l'ai en rouge. Je pense qu'il doit l'avoir en jaune parce qu'il l'a en petit en jaune. Donc je suis contente, elle date de 1989. Donc c'est parfait. En plus de ça, j'ai trouvé
Ces deux petites voitures de course en bois. Elles sont plutôt mignonnes. Numérotées 1 et 5. À mon avis, d'avoir les 9 numéros, mais bon, il n'y en avait que 2. Et après, c'est tout. Et ensuite, j'ai trouvé un sac au prix de 4 euros. Et c'est tout des Lego. Donc ça, franchement, ça vaut le coup. Bon, après, il faut que je fasse le tri parce que forcément, il n'y a pas que des Lego. Donc il faudra que je fasse tout un gros tri. En espérant qu'il y a plus de Lego que autre chose. Et le sachet, ben, je le redéposerai à Emmaüs. Et puis voilà. Je suis bien bien contente pour ça. Voilà, voilà. Ah non, j'oubliais. Je suis aussi allée au rayon bric-à-brac. Et j'ai trouvé cette assiette, non, ce bol Monstre et Compagnie. Donc je commence à faire de la vaisselle en mélaminé pour mon Minus, pour qu'il puisse manger dans des assiettes mignonnes à chaque fois, pas toujours utiliser la même et qu'elle soit abîmée à la fin en fait. Voilà. Ça. Et j'ai craqué sur ce, je sais pas comment on peut appeler ça, un cache-pot, un vide-poche ou je sais pas. Je le trouvais beau et puis la couleur elle est super jolie. Donc je verrai bien en centre de table avec des bougies dedans et une petite plante. Bref, je sais pas ce que je vais en faire mais je trouvais ça joli. Voilà pour mes trouvailles, pour mes dernières trouvailles à Emmaüs. Là il pleut un truc de fou et il fait même de l'orage. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, à liker la vidéo et à me laisser un commentaire. Allez, ciao !